Très chers téléspectateurs, amis de la culture, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. En tout cas, Roland Niakekele, Chéridon et comment, Gervais Mouaka, Judy Judicael, Belle Ditouma, voilà donc l'équipe qui va, en tout cas une fois de plus, vous apporter l'essentiel de l'actualité musicale. Évidemment, on dit que la musique, c'est l'ensemble des sons agréables à l'oreille. La musique est un langage universel et indispensable au bien-être. C'est une source d'expérience corporelle, sensorielle et surtout sociale, car son plaisir peut être partagé avec tout le monde. Évidemment, elle marque les étapes de la vie émotionnelle et contribue bien évidemment à l'identité d'une personne. Le 21 septembre de chaque année, mesdames et messieurs, l'humanité célèbre la Journée internationale de la paix. En marge donc de cette journée, plusieurs activités sont organisées en faveur de la paix. Alors, comment est-ce que les artistes justement perçoivent cette notion de paix? Comment les artistes musiciens abordent-ils justement cette thématique? À quel moment la musique peut être un facteur de paix? Quelle est la source d'inspiration la plus prolifique des artistes? Enfin, quelle est la contribution des artistes musiciens dans la promotion de la culture de paix? Mesdames et messieurs, en tout cas, nous aurons un panel exceptionnel sur ce plateau composé justement du doyen Cosmos Montoiri, le doyen Fred Ganga, dit le Savlopard. Nous avons justement Monsieur Domba, lui Michel Domba, il a un autre nom, petit nom là, Bougous Michel. Bougous Michel. Très bien. Et nous avons l'artiste qui nous accompagne, Elvis. Madame Michel, voilà, c'est la fille de Samba Mascotte. Et enfin, nous avons le grand Moïse Quentin Mouyasco qui va évidemment dire bonne arrivée à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers cette émission. Mesdames et messieurs, merci. C'est une façon de vous dire, en tout cas, bonne arrivée encore une fois de plus dans cette émission. Évidemment, nous allons parler de la paix, musique et paix, puisque nous l'avons dit, le 21 septembre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de la paix. Et évidemment, cette émission, nous avons pensé réaliser une émission avec les éminences grises de la culture, parce que c'est eux qui composent, c'est eux qui savent transmettre les messages. Mais aux côtés également de ces artistes, on a pensé faire un clin d'œil à une fondation qui œuvre dans les valeurs de paix universelle. C'est justement la fondation Josami Emporio, dirigée par l'écrivain-chercheur américain, mais d'origine congolaise, voilà, Josami Sombanganga, en tout cas, qui joue un rôle crucial dans la réhabilitation de la science et la culture à travers les ateliers d'éducation, les initiatives de sensibilisation pour la promotion, justement, de la compréhension mutuelle. Mesdames et messieurs, nous l'avons dit, pour cette année, le thème de la 25e édition, faisant germer une culture de paix. La paix dans la musique. Évidemment, est-ce que
c'est une notion qui est familière ou c'est une notion que vous avez l'habitude d'aborder dans vos textes? Doyen Cosmos Mutware, bonne arrivée. Cette notion de la culture de paix dans la vie d'une personne, et surtout les artistes, parce qu'il s'agit bien des artistes, je dirais tout simplement que l'artiste est de par sa naissance un lanceur de messages. Uh-huh. Il a toujours prôné l'amour et curieusement, en ce moment précis, je viens d'écouter une chanson avant qu'on entame le vif du sujet de mon frère Quentin Mouyasco. La première des choses dont il parle, c'est l'amour. Et pas que l'amour. Finalement, il parle des parents. C'est très important. Un bon artiste, un grand artiste, ne prône pas la violence. C'est toujours l'amour pour aboutir à une paix. Vous avez dit un grand artiste ne prône pas la violence. Non. Un grand artiste doit transmettre le message de paix. De paix toujours. Mm-hmm. C'est-à-dire, évidemment, c'est vague. Parce qu'à travers les chansons, ça dépend effectivement de chacun de nous, parce que chacun s'inspire à sa manière. Mais tout conjugue toujours à la paix. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous connaissez Zao. Zao a chanté une chanson Ancien combattant. La première fois que tout le monde a écouté cette chanson, on dirait que, oh non, lui, il fait toujours rire. Mais après tout ce qu'il a notifié dans sa chanson, c'est arrivé quand on a connu ces problèmes-là, problèmes de guerre. On continue toujours. On continue. Et je crois que c'est l'héritage qu'on doit donner, laisser à ceux, aux jeunes qui veulent s'impliquer aussi dans le monde de l'art. Je disais tantôt que l'artiste doit bien réfléchir et surtout de bien regarder les thématiques qui peuvent nous inspirer, nous tous. Oui, je parlais de... Vous avez parlé... Quel est le thème le plus prolifique de l'artiste? Je ne vais pas vous le dire. Le thème facile, c'est l'amour. Mais quel amour? Quel amour charnel? Il faudrait que, même si on chante l'amour, qu'on inocule quelque chose, un message dedans qui peut faire trémousser celui qui écoute. D'ailleurs, pour illustration, pour ne pas vous couper, on va aller de l'autre côté de la régie, proposer d'abord quelque chose, on va écouter. On découvre la composition de Cosmos Mutware à une certaine époque. On écoute, mesdames et messieurs. Namoni kaka obandi ko bunga nzela zongi sa motema e pa ezalaka akamuya o kamuya manga na lingi ya seli motema o komi pesa te batoli ya mabe oyo langwe e baloli yo mabanzo pe obandi kolemba bolingo oyo ekongala lokola mwinda Motema, ma banzo na pesi na yo Kobwakate, seli motema na nimate Nenge tolaka na ki olingi pe obebisa
akamuya ye selina kolela butumpe moyi nimelangai akamuya ye selina kolela butumpe moyi nimelangai. Alors Doyen Cosmos, ça vous inspire quoi lorsque vous écoutez cette mélodie? Et à cette époque, qu'est-ce qui vous avait inspiré? Ah là là, ah là là, là vous voulez rentrer vraiment dans ma vie. Bon, écoutez, j'étais inspiré. Il y a des choses parfois, quand on s'inspire, il y a des choses que nous vivons nous-mêmes, mais qu'on ne peut pas porter. Il faut prendre par exemple une personne, on va peindre la personne d'une certaine manière pour que... Mais au fond, moi qui suis l'auteur de l'œuvre, je connais. Je vais chanter pour Monsieur Vogel. Si on a eu des pépins, s'il y a eu des injures, or les injures effectivement ne sont pas permises, mais est-il que si j'ai envie de me venger, dire que comment ce monsieur-là m'a terrassé, m'a fait ceci, l'artiste trouve toujours cette partie magique de vous coller un autre nom. Il y a des choses effectivement que nous vivons, mais les autres vécues par les autres. Tout à fait. Plutôt, oui, oui. Alors maintenant, quand je dis que l'artiste est un homme de paix, l'artiste peut réconcilier beaucoup de personnes. Dans les foyers, vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui me dira que dans ces foyers-là, tout est OK. Il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manquent. Là où il y a des hommes. Et d'ailleurs, j'ai aussi échafaudé une chanson dans laquelle je dis, comme titre, je donne comme titre, qui n'a pas de problème, qui lève le doigt. Tel que vous êtes là, assis, nous sommes ensemble, avec les jeunes. Si je pose à chacun d'eux, dire tel que vous êtes là, vous êtes tout beau, tout mignon, et ma fille, est-ce que vous avez aussi des... qui n'a pas de problème, est-ce que vous avez aussi des problèmes tels que vous êtes là? Vous allez dire non. Papa, là, vraiment, tu nous provoques. Posez la même question à un milliardaire. Plus. Hein? Un jour, essayez, tel que vous êtes là. Vraiment, monsieur, là, est-ce que vous êtes aussi... vous avez des problèmes? Il n'aura peut-être pas le courage de vous donner une réponse. Parce que c'est des choses, on avertit. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je balance. C'est pourquoi je vous disais que il faut faire extrêmement attention à tout ce que les artistes mettent, inoculent dans leurs œuvres. Très bien. Alors, Doyen Fodganga, la notion de paix, vous avez voyagé à travers le monde avec les Bantous de la capitale. Quand vous arriviez dans certaines communautés, comment vous arrivez justement à trouver le mot magique que le doyen Cosmos a dit là pour séduire le public? D'abord, nous devons souligner une chose, que dans la musique, on trouve l'utile et l'agréable. Pourquoi je le dis? Parce que dans la musique, il y a l'éthique et l'esthétique. Dans la musique, on n'est pas là seulement à distraire les gens, il y a aussi à véhiculer un message salutaire, à éveiller leur conscience. Comme nous les musiciens, nous sommes des ingénieurs, des œuvres de l'esprit, donc nous sommes là pour assainir un peu les esprits. Cela n'est pas dit en l'air lorsqu'on dit que la musique adoucit les mœurs, c'est pour calmer les esprits. Là où il y a calme, il y a paix. C'est le vice qui est contraire, qu'il faut redouter. Le vice et la paix ne coïncident pas, ne cohabitent pas. Mais plutôt, bonheur et paix forment une unité dialectique indissociable. Tout à fait. Donc quand je voyage, par exemple, j'ai eu l'occasion de voyager, en modeste personne, je dis voilà, je suis là. En tant qu'ingénieur qui va véhiculer les œuvres de l'esprit, des valeurs, mais comment vais-je vraiment me présenter artistiquement? Ne voyez pas d'abord la forme extérieure.
mais je veux véhiculer quel message? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une communion d'esprit saine entre le public et ma modeste personne. À partir de là, je pense qu'il va déjà s'essorer une paix. Même les ennemis qui sont dans la foule vont danser au même rythme, au même pas. Même si physiquement, intimement, ils ont des problèmes, comme disait le doyen, ils vont danser au même rythme. Pourquoi? Parce que ces musiciens qui sont sur scène, qui sont en train de jouer, s'accordent justement pour vivre, leur faire vibrer la corde sensible de leurs sentiments. Voilà pourquoi. Et c'est, en retour, c'est ce qui me réjouit. Quand ma modeste personne fait danser, du premier citoyen au dernier entre guillemets, parce que nous sommes tous égaux, mais quand même, il y a certaines échelles, quand même, hiérarchies sociales qui sont là. Donc, quand même, je fais danser de votre personnalité, ici ou ailleurs, je suis vraiment très, très heureux. Mon âme est en paix. Et cette paix que je ressens, je la véhicule dans la société. Parce que il faut éviter de choquer justement la conscience collective. Il faut l'élever. Voilà pourquoi nous, les musiciens, devons faire aussi attention au message que nous véhiculons. J'ai bien dit que le vice et la paix ne coïncident pas. Quand vous dérangez la quiétude de quelqu'un, la paix de quelqu'un, à travers des chansons, qui ont des paroles vraiment qui choquent la pudeur. Là, vous trouvez même la paix d'un certain foyer, de certaines personnes. Imaginez un peu. Nous sommes là pour véhiculer la paix, mais je suis là pour véhiculer la paix, mais je chante des chansons dont le texte indispose, dérange. Imaginez comment va réagir un père de famille devant ses enfants, sa femme et tout ce monde, ses nièces. Là, vous trouvez la paix. Il y a paradoxe justement entre votre mission et ce que vous faites. Très bien. Voilà pourquoi les musiciens ne doivent pas être hypocrites. S'il faut véhiculer le message de paix, il faut le véhiculer. Et puis, comportons-nous aussi en attisant de la paix. Il n'y a pas de complaisance à cela. Parce que lorsque les gens disent que voilà, dans le premier temps, Ningala, robotique, va péter, ce qui a sali boité à Koliate. Mais non, mais qu'est-ce qu'on cherche finalement? Il ne faut pas aussi privilégier la valeur matérielle au détriment de la valeur spirituelle. Très bien. Donc, les valeurs morales, nous devons les défendre. Voilà pourquoi la paix que nous devons véhiculer, justement, on doit la sentir à travers nos œuvres même chantées. J'ai retenu, dans la musique, il y a l'éthique et l'esthétique. Voilà. C'est très profond, là. Oui. En tout cas. Et donc, on peut dire que la mission d'un musicien, c'est pas seulement, comme on l'avait dit, faire danser. Oui. Mais dans la danse, il faut aussi faire véhiculer ce message-là que nous voulons, et aujourd'hui, nous sommes en train de dire le message de paix. De paix, bien sûr. Alors, Monsieur Domba, Michel Domba, à quel moment la musique peut-elle devenir un facteur justement de paix? Bon, mais la peinture que j'ai de la paix, avec la musique, elle est grandiose. Vous êtes parolier. Vous voyez, quand il y a la langue qui joue dans la paix. Prenons l'espagnol. C'est une langue de paix dans la musique. Vous verrez que ceux qui chantent en espagnol sont doux. Ils vous apportent un message épatant, émouvant, dansant, mais avec un rythme de paix dedans. La salsa, c'est un rythme non violent. Vraiment non violent. J'ai essayé de voir par-ci par-là. Donc tous les messages qui sont véhiculés dans la salsa, c'est des messages de la paix, d'amour. D'amour, de paix, de quiétude. Je vous emmène un peu plus loin que ça. Ok. Regardez, quand un espagnol parle, il vous parle avec amour, avec quiétude, avec sérénité, avec tranquillité. Yo te quiero mucho bien, mais ailleurs, on pourrait parler avec une sauvagerie. Et quand l'espagnol est chanté, ça vous apporte une gaieté. Ben, moi, je pense que, en ce qui concerne la paix et la musique, pour notre pays, à nous, le Congo Brazzaville, nous avons tout dans notre hymne national. Que tout Congolais oublie que dans ce hymne-là, nous avons tout. La paix, la musique, la quiétude, la sérénité, la vie d'ensemble. Je vous donnerai un exemple. Okay.
tirer de ce stigme-là. Oublions tout ce qui nous divise. Soyons plus unis que jamais. Mais au début, on dit quoi? En ce jour, le soleil se lève. Un grand bonheur a surgi. Vous comprenez ce que cet écrivain de cette hymne-là avait pensé pour notre pays, le Congo. Nous ne pourrons pas parler de paix au Congo, parler de la musique sans se référer sur notre hymne. Je pense qu'avec le réalisateur, est-ce qu'on peut cliquer sur l'hymne national? On regarde un peu ces vers-là. Et on va revenir tout à l'heure, mesdames et messieurs, voilà, pour illustration. Voilà, parce que tout ce que M. Michel Domar te dit, c'est très profond, c'est capital. Peut-être que les gens ignorent que dans l'hymne national, il y a des vertus, n'est-ce pas, universelles, que nous ignorons. On regarde juste un couplet et puis on revient sur ce plateau. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur en surgit. Chantons tous l'âme qui reste, le chant de la liberté. Congolais debout fièrement, partout, acclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous dévie. Soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, mon ouest. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Voilà, quelle belle illustration. Voilà. Cette musique dit tout, cette terre dit tout. Nous avons la paix dedans, nous avons la musique, nous avons l'unité, nous avons le développement. Parce qu'en dehors de la naissance, on dit que l'unité travaille pour progrès. S'il n'y a pas l'unité, on ne peut pas avoir le progrès, on ne peut pas avoir du travail, on ne peut pas avoir le progrès. Très bien. Donc, le sens universel de la musique aujourd'hui, là, il est grandiose. Mais la peinture que j'ai pour la paix au Congo, c'est notre hymne. Très bien. Alors, Madame Michel, tout à l'heure, je vais vous poser une question, mais avant, le grand Moïse, Quentin Moyasco, vous êtes un grand musicien de ce pays. Vous avez voyagé, vous voyagez partout à travers le monde. Quel est le message fondamental que vous véhiculez dans vos chansons? Lorsqu'on regarde un peu votre répertoire géant, quel est le message fondamental que vous véhiculez dans vos musiques, dans vos textes? Le plus grand message, c'est le message d'amour. Entre dans les foyers, le message d'amour. Et c'est à travers le message d'amour, l'application de l'amour au niveau des foyers, que cet amour se déverse au niveau des rues et au niveau des quartiers, voire au niveau de la ville. Et donc, la paix doit commencer chez soi. Et nous, en tant qu'artistes, nous avons cette responsabilité, à travers nos chansons, de prôner tout ce qui donne de l'harmonie dans la société. Et donc, c'est pour ça, à travers mes chansons, j'ai des chansons beaucoup plus sur la paix. J'évite que les familles s'éclatent, comme dans une chanson où j'ai interprété l'histoire Sewana. Papa sombi lopango na ye atongeli fami ndako bana babotama wana basilisa kelasi sewana sewana lisi toile sewana ye sewana lisi toile sewana. Pango ya famille, bomoni nenga baza koteka lisi
wana ye se wana ni sitwale se wana ne vivons pas comme un oiseau qui néglige son histoire. Ne vivons pas comme un oiseau chaque naissance son nid. Il faut savoir garder son histoire. Sans l'histoire, l'avenir n'a pas de sens. Boti kabiza le limabe, iubi beoyo. Boti kabiza le limabe, iubi beoyo. Ba famille misusu bateka mapango ba benga na veuve na bana e mawa e biso basi mawa e biso bana mawa e na leli leli e oh oh na leli le. Merci grand Moïse Quentin Moyasco dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance, un numéro spécial parce que nous sommes en train de cultiver la culture de paix dans cette émission à l'occasion justement de la journée internationale de la paix universelle et nous avons pensé faire cette émission en bonne et due forme, mais on ne pouvait pas faire cette émission sans pourtant oui, appeler les valeurs qui œuvrent dans ce sens-là. Nous, nous sommes des faiseurs d'opinion. Nous transmettons des messages, des informations. Il y a des gens qui sont là, des fondations qui sont là pour garantir justement ce message-là. Et donc, nous avons appelé Madame Michel, qui représente la fondation Jossamy Emporio, voilà, dirigée par le chercheur, écrivain-chercheur américain, mais congolais d'origine. Jossamy, le doyen Yvon. Alors, Madame Michel, bonne arrivée dans cette émission. Merci. Quel est le rôle de la Fondation Jossamy Emporio? Bon, la Fondation Jossamy Emporio est une fondation internationale qui a pour but de redynamiser, structurer et réhabiliter la culture africaine. D'accord. Dans tous les domaines. Et voilà. Là, aujourd'hui, on parle de la paix avec la musique parce que nous, dans notre fondation, nous avons cette partie où on parle de la musique. De la musique. La partie culturelle, en fait. Okay. Voilà, donc la fondation est là aujourd'hui à fêter avec le monde entier. C'est comme l'année passée, nous avons célébré cette journée avec une messe de prière et quelques activités traditionnelles, culturelles. Et cette année, c'est avec vous qu'on est en train de fêter cette paix-là. Très bien. Vraiment, cultivons la paix, parce que sans paix, nous ne pouvons rien faire. Alors, qui est Jossamy Samba Ngonga? Évidemment, j'ai essayé de rechercher sur Internet. J'ai retrouvé que c'est un écrivain, un chercheur scientifique, inventeur américain d'origine congolaise, fils aîné de Samba Mascotte. Oui. C'est cela, oui. Samba Mascotte qui fut un grand musicien des Bantous de la capitale. N'est-ce pas, de Cosmos Moutoiré? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, vous ne tapez pas à côté. Ok. Et c'est quelqu'un qui a marqué de son passage, en tout cas avec, je dirais, en lettres d'or, parce qu'il nous a laissé un titre anthologique, la chanson Samina Kati, qui est devenue la chanson de la Coupe d'Afrique des nations en 72. Hein? Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, oh, Samo Sama. Samo Sama. Oh, yeah, Marie-Jeanne, ma Marie. Samo Sama. Oh, yeah, Marie-Jeanne, je t'aime. Samo Sama. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Samo Sama. Quand je te vois pas, mon cœur est fait goum goum. Samo Sama. Quand je te vois pas, mon cœur est fait goum goum. Samo Sama. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Samo Sama. Marie-Jeanne.
quand je te veux pas, mon cœur est fait goum goum goum. Oh Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne, oh chérie, je t'aime. Quand je te vois pas, mon cœur est fait goum goum. Voilà, c'est donc, voilà, donc illustration. Alors, oui, donc, j'ajoute que oui. Marie-Jeanne est devenue, enfin, la partie effectivement qui lui fait bouger, c'est le générique de. Quelle émission là? Michel Sport aussi. Oui, c'est une émission. Donc, effectivement, ça continue. Ok. Oui. Alors, donc, l'écrivain, chercheur scientifique Josami Samba Nganga, il a 5 brevets dans plusieurs domaines, n'est-ce pas? Donc, le domaine technologique et révolutionnaire qui explore les lois cosmiques. Il a même créé la crème antimicrobienne pour la peau. Il a aussi fait des recherches sur la technologie de conversion énergétique avec l'alpha et l'oméga, la thermodynamique, beaucoup de choses en tout cas. Mais nous avons voulu qu'il intervienne un peu à distance depuis New York à travers une vidéo que nous allons vous proposer, mesdames et messieurs. On va suivre l'écrivain chercheur qui va parler de la notion de paix, parce que c'est évidemment de ce qu'il s'agit dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance, une émission thématisée justement dans la culture de paix. On regarde et on se retrouve tout à l'heure. J'ai l'honneur de m'adresser à vous en tant que président fondateur de la fondation Josami Onpolo. Et comme nous le savons, aujourd'hui c'est le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix dans le monde entier. Une occasion qui nous permet de réfléchir à notre engagement pour un monde équitable, mûr et équilibré. Pourquoi nous voulons l'équilibre de ce monde? Parce que l'homme aspire toujours au bien-être. Aussi, le fruit de son évolution est le signe d'une insatisfaction par rapport à ce qui est immédiatement donné. C'est pour ça qu'on se donne toujours des formes de conceptualisation jugées plus mûres. La paix n'est pas toujours l'absence de guerre. La paix est relative au bonheur. C'est lorsque nous sommes dans le bonheur, ça veut dire que nous sommes dans la paix. Donc c'est la présence de la justice, c'est la présence du bonheur. Et c'est la paix contribue à l'équilibre. La paix arrive à promouvoir et à garantir l'équilibre au sein de toutes les communautés du monde entier. Voilà, depuis New York, nous avons quand même fait le pont et les grues pour la voir, parce que c'est pas facile. Ouais. Il est toujours dans les laboratoires en train de crier, de vanter. En tout cas, mais c'est très bon. Il n'est pas connu au pays. Pourquoi, Madame Michel? Mais il est connu à travers le monde, mais au pays, il va rentrer. D'accord. Il va se faire connaître lui-même, il va rentrer. Ok. Voilà. Alors, il y a également, j'ai vu, vous avez même fait des chansons. L'hymne de la fondation, et ça a été interprété par un musicien. Il y a une vidéo même que j'ai retrouvée, qu'on regarde. C'est toujours pour dire que la fondation existe ici, au Congo-Brazzaville. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous êtes où? Est-ce que c'est social? Quelque part, on peut facilement vous contacter au niveau de Brazzaville? Oui, oui, au niveau de Brazzaville, notre siège est à Mafuta. Ok. Mais on a un numéro de téléphone, d'accord. 06 705 58 52. Mm-hmm. Mais la fondation a une... Je tiens à souligner que la fondation a une branche de Fiscola Santé où on a ouvert un groupe qui analyse et traite les problèmes sociaux des enfants et parents drépanocytaires. Donc pour un parent qui a un enfant drépanocytaire peut me contacter. Okay. On a un groupe où on soutient, on traite, on soutient les enfants... Drépano, les enfants qui ont des parents invalides, des parents drépanocytaires. Ok. Voilà, donc c'est ça. Alors on va illustrer à travers encore une petite séquence de vidéo, voilà, une petite séquence vidéo, et puis on se retrouve. Le titre, voilà, c'est Fondation, la Fondation Josami, voilà, Onpolo. On regarde. Josami, pour la recherche scientifique, Josami, pour fondation, Josami, mettre en valeur l'art africain, Josami, pour la
la technologie, chose amis en bon de yo. Évolution universelle, chose amis en bon de yo. Fondation, fondation, chose amis en bon de yo. La fondation, chose amis a pour but légitime de réhabiliter la science, la culture et la technologie à l'échelle universelle. L'innovation, c'est ce qu'elle enseigne. L'émancipation mondiale par le bien. Des prototypes pour façon de toutes ces roches, c'est Sigola en précité. Sigola agriculture. Sigola agriculture. Sigola santé. Sigola sport. Sigola QCO. Sigola star. Sigola éduquer à la joie. Sigola FCE. Sigola festival et musique. Sigola science et littérature. Sigola œuvre pour la culture africaine, la recherche scientifique et les valeurs sûres. Le BSF, nous célébrons ensemble la paix dans le monde avec la fondation que se mobilise. Pour les églises américaines, expliquées, chose amis en porno. Réhabiliter la culture, chose amis en porno. La recherche scientifique, chose amis en porno. Fondation, fondation, chose amis en porno. Merci, mesdames et messieurs. En tout cas, retour sur ce plateau. Nous sommes en train de discuter, sinon aborder, sur la thématique musique et voilà, valeur de paix. Alors, puisque la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un processus positif, dynamique, participatif, qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans l'esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Alors, en tant que musicien aujourd'hui, est-ce que de nos jours, cette notion de paix, en dehors de vos témoignages, des expériences que vous avez données, mais de nos jours, est-ce que lorsqu'on regarde avec le microscope, hein, qu'on fait l'anatomie de notre musique, est-ce que cette notion de paix est véhiculée réellement dans la musique de Jean, dans un cosmos, vous qui avez l'expérience? Je crois que la musique fait son travail. Mais ces musiciens doivent être encouragés, leur donner la possibilité de s'exprimer réellement. Vous conviendrez avec moi que un pays qui n'a pas de musique propre, alors on retrouvera des aliénés mentaux. Sans la musique, dans n'importe quel pays, si vous bloquez la musique, vos radios ici, tout ce que vous faites, si vous faites tout ce que vous faites, si tout est bloqué, vous verrez que la vie des gens sera compromise. Donc, c'est aux jeunes. Nous, nous sommes déjà des croulants. Est-ce qu'il faut un encadrement, il faut une orientation sur des valeurs propres? Parce que la musique, de fois, ce qu'on dit, c'est un métier libéral. Chacun est bon, maître de son inspiration. Est-ce que, de ce côté-là, M. Fred, est-ce qu'il faut orienter les jeunes? Il faut encadrer les jeunes, vous qui êtes là en tant que professionnel? Il y a justement l'encadrement, j'en ai parlé. Oui. Mais eux-mêmes, il faudrait qu'ils aient aussi le courage de se rapprocher parfois des vieux qui ont fait plus. Mais il arrive des moments où les jeunes aussi sont peur. Et ça, quand il va sortir une chanson qui commence à... Ben, les gars parfois gonflent. Hein. Et puis quand tu nous regardes, parfois d'un œil en disant oh des bango basila basila donc bafiwana, mais non, la bouche de papa qui sent mauvais, mais il y a des styles de bonnes paroles, de bonnes choses. Voilà, très bien, voilà. Merci Freud. Oui, on vous a mis tout entre temps que chacun s'inspire à sa manière. Oui, je reconnais au moins ce principe là, la valeur de ce principe. Parce que il y a un professionnel de la pensée critique qui rappelle que tous les goûts sont dans la nature. Chacun prend son plaisir où il le trouve. Ça, on le sait. Mais aujourd'hui, claquemurer la jeunesse dans une formation, c'est-à-dire d'une manière stricte, cela est impossible. Il ne faut pas rêver. Mais ce qu'on peut leur conseiller,
c'est de s'inspirer des valeurs du bien. Toutes les belles œuvres ne se ressemblent pas. Comme toutes les belles femmes ne se ressemblent pas. Mais elles sont belles. Vous voyez ? À votre époque aussi, créer des œuvres qui sont bonnes. C'est pas à nous, on ne peut pas le montrer à un artiste, chante comme ceci, compose comme cela pour que ce soit bon. Non. Mais que lui-même qui s'inspire, qu'il compose des œuvres qui doivent faire même bouger positivement le monde. Parce que lorsqu'on chante l'amour, là je m'appuie sur la puissance même de la puissance de la musique. Puisque nous chantons souvent l'amour ici, dans nos pays, bien comme disait mon frère, à l'étranger, à Cuba, l'espagnol, langue romantique, oui, c'est vrai. Mais nous, dans la musique, tout pays confondu, on est d'une manière universelle, lorsqu'on chante l'amour, cet amour-là, ce n'est pas seulement l'amour romantique, il y a aussi l'amour agapé, oui, il y a aussi l'amour, c'est-à-dire, comment dirais-je, hein, désintéressé ou bien chaste, vous voyez. Donc on chante amour avec un grand A, c'est un grand concept. Mais à chacun de savoir s'inspirer pour élever les consciences, pour élever les consciences. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Parce que, excusez-moi, lorsque je vois encore la puissance de la musique, vous voyez d'abord la musique instrumentale. Le fils instrumental, toutes les nations peuvent la danser. Même celle qui est soutenue par un texte, tout le monde peut danser. Même s'il ne comprend ce qu'on dit, mais tout le monde danse. Vous voyez, Bruna, je veux situer par là la dimension, la force universelle de la musique. Et pour illustration, nous avons le doyen Zao, le doyen Cosmos Mutuari l'a évoqué tout à l'heure, qui a chanté sur la guerre à travers le titre Ancien combattant. On écoute encore un extrait, mesdames et messieurs, parce que nous devons également nous inspirer des vraies valeurs pour édifier l'opinion qui nous regarde à travers cette émission. Marquez le pas, pour chaque combattant, on a ce qu'il est. Marquez le pas, pour chaque combattant, on a ce qu'il est. Je ne sais pas que moi je suis un chaque combattant. Moi je suis un chaque combattant, je fais la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades, ouais. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi, j'ai tué Burkina Faso, ma guerre. Chaque combattant, on est sauvé, ma guerre. Chaque combattant, la guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes dialoguent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient de la guerre, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas au lait, Kébi Tchangui, hey! Cadavre, avec le coup de matraque et tout à coup, pas tout. Cadavre, ton père, cadavre, ta mère, cadavre, tes enfants, cadavre, ton premier bureau, cadavre, ton deuxième bureau, cadavre, la bière, cadavre. Mes bêtes, mes moutons, tous les présidents. S'aimer l'amour et non la guerre, mes amis. S'aimer l'amour et non la guerre, mes amis. On va se dire, tenons-nous la main d'or. On se tient la main dans la mer. Nous, les enfants de la paix. Belle illustration avec Zoba Casimir Zao. Un titre, en tout cas, qui résistera à l'usure du temps, il faut le dire. Ancien combattant, en tout cas, merci. Alors, on va essayer de faire le tour de table, n'est-ce pas? Je commence par le grand Moïse Kanté Moyasko. Et voilà, nous avons suivi pratiquement les témoignages des gens, tels que ça a été évoqué à travers cette émission. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette valeur de paix dans la musique, en tant que telle? C'est-à-dire que c'est la responsabilité que tous ceux qui pratiquent cet art doivent avoir comme priorité. C'est de faire véhiculer des messages de paix à travers le monde. On dit que les artistes entre eux ne s'entendent pas. Ça doit aussi commencer par là, grand Moïse.
Oui, mais quand les artistes ne s'entendent pas, ouais, ça prouve qu'il y a souvent des problèmes. Et ça nécessite des musiques, des messages pour régler ces problèmes. Est-ce que Grand Moïse est prêt à se réconcilier avec les autres, peut-être, qui aujourd'hui ne se parlent plus? Moi, je parle avec tout le monde. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Peut-être que c'est d'autres qui ont des problèmes, mais moi, je n'ai pas de problème. Je parle avec tout le monde. Avec tout le monde. Ouais. Bon, ok, on ne va pas frustrer les gens. Ouais. Mais est-il que c'est très bien pour la contribution, puisque la musique adoucit les mœurs, on dit, elle permet à ceux qui la pratiquent de s'éloigner du conflit et de la violence. C'est un moyen d'évasion, un vecteur de dialogue et de rapprochement des peuples. Et vous l'avez fait à travers un titre des Kassou, oui, hein, que nous avons écouté au début de cette émission. Mais lorsque aussi, j'essaie un peu de parcourir ton répertoire, tu restes focus un peu dans cette conscientisation. Exemple, il y a un autre titre, Nabo Manawapi. Et c'est quoi l'évocation dans ce titre? Bon, à travers la Bomanawa, puis c'est l'histoire d'un enfant qui vit avec ses deux parents du côté de l'est, l'est de la RDC. Et en pleine nuit, le papa écoutait les coups de feu. Il a réveillé sa femme, il dit, tu écoutes ça? Il dit, comme c'est la nuit, je saurai là où viennent ces tirs. Il est sorti, il n'est jamais revenu. Et les tirs nourris commençaient à se rapprocher de la maison. Et la maman était obligée de réveiller l'enfant qui dormait, qui avait, je crois, 5 ans. Et ils ont commencé à courir pour éviter de tomber sur ces balles-là. Et c'est l'enfant qui s'adresse à sa maman. Très bien. En tout cas... Ni tambo ni ni maman qui t'y singa ino qui n'a metto Pongi na noue silite na miso Bangu bangu zela mola ito tiki biloko nyo sonamboka. On a coqué les sicato et bite. Loki toi minoki ego lela. Bandako ego zika. Hey! Mingi bako zoka mama. Basusu bako kufa pona lika moba ebitina te. Yahweh yo kambela ya bano yo. Yahweh, battez la Congo. Naïko, moi, n'a moqué, mison, à nous solide. Pona, mon abasso, moya, boye. Mama, au peki, sa king, anata, la ville, lia, mikolo. Kasina, oyo, poko, tinda, nga, wapie. Kasina, oyo, poko, bombi, sa, nga, wapie. Yahweh. Olubininge Mama papa zali wapi Onzela nzela toko kima Nako moya yete Eska zongeli koluka bisokuna nanda kote Mawa mingye Nalingina mona ye Nalingina zongela zela nangaya kelasye Nalingina sakara na baninga na ngaya kaptie ndenge tomesana To profite na bomwana na biso Biso bana, binoso, ezama wae To sali nini, biso bana, ezama wae C'est mélancolique à la fois, c'est émouvant. Ah, mon doyen Rémi Zoniaba qui nous regarde, Maître Peko Stinga, président Lili Makoso, je n'oublie pas les établissements Kim Witcheravi, le café du chef, c'est notre voilà, partenaire qui nous accompagne au quotidien pour la promotion musicale Brazzaville et Pointe-Noire. C'est magnifique. Comme Moïse, c'est dans le medley ou dans l'album qui. Le temps. Le secret de ce temps. Le secret de ce temps. C'est son album qui arrive, Le secret de ce temps. Et voilà, donc, c'est mieux d'illustrer encore un peu en vidéo, pourquoi pas, pour permettre aux téléspectateurs d'apprécier
que le clip est déjà aussi disponible sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, on regarde un peu, mesdames et messieurs. Bouyo Kango Pierre, Denga Lamba Kango Mani, Grand Moïse, Apasola, Maï, Atouakota, et Akanga, Tilelo. On regarde, mesdames et messieurs, un extrait de ce clip. Nabomba Mawa. Voilà. Et on se retrouve. Kanté Moyasko qui était avec nous dans cette émission, je l'ai dit dans les commentaires tout à l'heure, vous n'étiez pas là pendant que j'ai regardé le clip. La même voix unique en son genre, même en interprétation, il est toujours là. Oui, parce que je chante avec ma propre voix, j'ai sans pas une couleur. Sans autotune, sans. Oui, c'est naturel. Je pense que chanter naturellement, ça passe plus facilement au niveau de l'audition et je chante aussi avec une certaine franchise comme les salseos. Tes compositions, c'est quoi, t'as des paroliers ou jusque là tu composes seul? Pour le moment je compose et j'ai des propositions, des titres. Peut-être que dans le prochain album j'aurai des titres qui seront, que je vais interpréter d'autres personnes qui ont fait qui ont écrit, quoi. Et je suis très ravi d'interpréter la plume des autres. Les autres, ouais. Ça change un peu avec ce que j'ai l'habitude de faire et ça donne plus de couleur aussi à ma musique. Et le secret de ce temps, 5 ans? Le secret de ce temps, on est en train de finaliser. Je ça préfère ne même pas donner. Du temps. Oui, ça, hein, mais c'est pour ça que c'est le secret de ce temps. Ça prend du temps, c'est pour ça que je ne veux pas vraiment rater cet album parce que j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour ça. J'ai pris mon temps pour écrire les textes qui vont peut-être aider certains jeunes qui peut-être aujourd'hui se focalise beaucoup plus dans la musique d'ambiance que la musique où il y a des messages qui sont très très importants à faire véhiculer à travers notre société. Alors, Madame Michel de la Fondation José Mion Porio, voilà, vous êtes à Brazzaville, vous voyez, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la paix. Et alors, pour la suite des événements, qu'est-ce qui est prévu? Bon. Concernant la fondation. Concernant la fondation, tout est fini. Hein. Mm-hmm. On avait juste prévu une messe et puis une émission avec Mon Désir, les sapeurs, les comédiens et avec la musique. Voilà. Très bien. Donc, tu remets la tête, tu roules la tête. Bon. Bon, c'est très bien. C'était l'année passée. Ok, c'était l'année passée. Cette année, il n'y a pas de budget. Bon, c'est pas grave. Alors, monsieur Michel Domba, vous êtes parolier, vous avez écouté un mot justement concernant cette notion de paix que nous devons toujours véhiculer dans nos compositions. Sinon, pour vous, voilà. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, là, les musiciens congolais
je ne dirais pas manque d'inspiration. Quand j'écoute Grand Moïse, hein, c'est inspirationnel, ces chansons. Mais aujourd'hui, tu t'es focalisé sur la cupidité. Quand je vois le vieux Cosmos chanter hier, par exemple, les bandits la Mossala, c'était pas fait pour avoir de l'argent. Mais c'était d'abord éducatif. Il évolue. Moi, je vois ses chansons. Il évolue, il vient chanter une chanson d'amour. À l'occasion, je crois bien que c'est Maïté ou bien notre grande sœur qui vivait au plateau de 15 ans. Notre grande sœur qui vivait au plateau de 15 ans. Maïté là. Mais j'oublie son nom. Bon. Mais c'est comme s'il chantait pour tout le monde. Et il évolue, il chante encore une chanson, l'étape, hein, l'étape de la vie de quelqu'un, de 20 ans à 40 ans, de 40 ans jusqu'à la mort. Mais c'est éducatif. Et tout le monde peut se retrouver. Mais je ne suis pas contre la musique d'aujourd'hui, hein, mais la cupidité étant de mise, chacun fait pour avoir un peu ce qui... Ce n'est plus fait pour faire plaisir à d'autres, c'est fait maintenant pour se faire voir, pour avoir de l'argent. Je suis de temps en temps avec Grand Moïse, on discute de temps en temps. Mais je l'ai toujours dit vraiment, je ne sais pas pourquoi vous vous êtes séparés. Je ne comprends pas. Mais cette guéguerre que... A fait naître aussi beaucoup de... Non, mais que... Voilà. Cette guéguerre n'est pas d'aujourd'hui. Ok. Le grand cosmos a vécu ça. Okay. Il y a une chanson qui a frappé ma vie. Ok. Lettre ouverte. Ça a marqué ma vie à une époque donnée. J'étais en guéguerre avec Bantu de la capitale. Eux jouaient à Macedo et Bantu jouait chez Bouyabar. Et cette guéguerre-là jusqu'à Dikama et Peuple. Et Bantu a sorti Kumbinzila. C'était une guéguerre vraiment. Une guéguerre. Mais après, je ne sais pas, ça s'est réglé. Mais c'était pas que. On reste conflictuel jusqu'à... On reste donc ennemi jusqu'à... Non, c'était un conflit gazé. Ouais. Mais on ne lançait pas le nom de quelqu'un. Mais quand tu écoutes la chanson, tu te dis, ah non, on dit que ça crée ça. Ouais. Mando Negro Kwala Kwa avait chanté une chanson contre Bantu, hein? Voiture à occasion. Voiture à occasion. Je me rappelle. Bon, c'est très bien, mais ça sera un autre débat. Je pense que fera des émissions thématiques comme pour ça. Clore, de temps en temps, chaque, bon, ça ne fait pas moi. Pour clore, mais j'aurais dit ceci. Oui. La musique apporte du nouveau dans la vie de quelqu'un. Vous êtes malheureux quelque part pour quelque chose qui vous fait. Que vous désaxe, mais quand vous allez écouter l'une des chansons qui a trait à votre situation, ça vous retrouve, ça vous ramène la paix. C'est une thérapie, n'est-ce pas, voilà. Monsieur Freud, voilà. Je pense que la musique doit véhiculer justement cette notion de paix, d'équilibre. Vous avez dit esthétique et éthique. Oui, voilà. Donc, comme c'est une valeur universelle, donc, c'est du bien pour tout le monde. Quelle que soit la race, quelles soient les convictions, c'est un bien, une valeur mondiale, c'est-à-dire universelle pour tout le monde. Alors, vous savez que là où il y a l'homme, il y a de l'homérie, mais toutes ces contradictions-là, je pense, ne doivent pas être antagoniques. Hein? C'est passager, après, c'est pour se lever et puis aller plus loin. Parce que il y a des grands penseurs qui nous disent ceci, qui nous conseillent que. Vous savez que même la haine est une déchéance. On tombe. Donc, le mal, ce n'est pas de tomber, mais c'est de rester là où on est tombé. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, Doyen Cosmos Mutuari, président des Bantous de la capitale, aujourd'hui, voilà, je vous ai reçu ici en tant que doyen pour essayer de débattre de ce sujet qui est très important. D'ailleurs, nous avons fait le tour de table, il s'est dégagé beaucoup d'énergie. Et donc, en un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette émission, puisque nous sommes à la fin, pratiquement? D'abord, dire grand merci à ce jeune Yvon Samba pour ses initiatives. Ça fait deux fois. Il est très loin, mais des États-Unis, il est en train vraiment
de faire un travail énorme sur la vie de tout un chacun. On vient de parler de la paix. Sans la paix, on ne peut rien. Même si vous êtes... Oui, je reconnais que nous avons eu des frictions. Quand j'étais dans l'Ocas Bantou, c'était en 72. Il y avait eu éclatement. Mais nous sommes partis, on n'avait plus de boulot. Il fallait qu'avec les pamelots, avec les, tout ce que vous connaissez, qu'on fasse quelque chose. Mais il y a eu un temps où les supporters, ça ne venait pas parfois des artistes, hein. C'est les supporters qui, de l'autre côté, qui se disaient que mais là-bas, voici ce qui se passe. Et tout ça, c'est pour vous emmener dans l'antagonisme. Et à un certain moment, nous étions, et pourtant, nous avions comme président un gars qui a perdu sa vie il n'y a pas très longtemps. Il est venu nous dire, écoutez, là-bas on est en train de vous injurier, mais il faut répondre aux imbéciles par le silence. C'est ce que nous avions. Après un jour, là-bas, ça chauffait, commençait à bombarder. Les gars sont venus pour nous dire, ah non, 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 c'est fini, c'est fini. Il faut répondre. Il dit, mais on va répondre à qui? Il dit, là-bas, voici ce qu'on vous a injuré, tant. Il dit, ah non, 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 vous nous avez dit de garder le silence. Pourquoi? Il dit, donc vous n'êtes pas des compositeurs. Hein? comment ça? À cette époque-là, hein, on se disait, comment ça? Bon, et d'ailleurs, ce jour-là, c'est moi qui vais prendre la décision. J'ai dit, comme ça, Yankuka, fais une chanson. Bam! Hein, le diminutif de Pamelo. Tu fais une. Moi aussi, j'en fais une. Maintenant, quand ces chansons-là, ces trois chansons vont sortir, qu'il n'ait plus le courage de l'envoyer là-bas. Donc, on a tapé. Olugui et Tumba, Zalana Pema, ça c'est Yankuka. Pamelo, Yankanza. Et moi, je largue lettre ouverte. C'était pour clore. Très bien. Parce que le débat, effectivement. Ouais. Mais après, il y a eu un temps, on ne s'entendait pas. On ne s'entendait plus. Mais il y a eu un certain moment. On était réunis. C'était à cette époque-là, l'Union des musiciens. Nous devrions nous réunir au Super Jazz. Nino était là. Parce que les gens croyaient que moi j'avais fait cette chanson. Contre Nino. Mais, donc on avait 40 ans, on était là, nous tous. Alors, Nino se lève, il dit, mes frères et sœurs, vous êtes là, je vais demander à Cosmos de se lever. En une minute, ouais, parce qu'on oui, se oui, à la oui. Fin. Ouais. À Cosmos de se lever, je me lève. Bon, devant nos amis, nos frères, je te dis, s'il te plaît, il ne faut plus ouvrir tes lettres, il faut les fermer. Merci en tout cas, merci beaucoup. C'est donc par cette anecdote, en tout cas, que nous allons vous dire au revoir, mesdames et messieurs. Merci à Ange Coiffure, merci à Maître Combs, merci à Harold de Paris, Harold Mwambiko, Jodel Ikoudi, Rodik Moussakaï. J'ai reçu pour vous le doyen Cosmos Moutoiri qui était avec nous dans cette émission, le doyen Fred Nganga. Voilà, les deux donc, font partie des Bantous de la capitale, l'orchestre mythique du Congo et de l'Afrique. Et merci également à Michel Domba, qui est Bokos, qui est à la fois écrivain et puis parolier. Merci à notre artiste, Elvis, merci beaucoup. Merci à Madame Michel. Je pense que ce n'est qu'une partie remise. Nous sommes là, en tout cas, peut-être qu'on fait maintenant partie de la fondation, hein, Josami Ongorio. Pourquoi pas? Alors, merci au grand Moïse pour ta contribution magnifique et surtout le temps précieux que tu as apporté dans cette émission. Alors, je salue toute l'équipe. Il y avait Roland Niakekile, Chéridan, Jaurès Ekombo, Gervais Mwaka, Judy Kayel, Beldi Touma, l'Amérique n'a pas d'amis. Puis pour Gilles de Cibel, vous dit au revoir encore. Merci d'être passé. Merci, Doyen Cosmos. Merci à tout le monde. En tout cas, je pense que la suite au prochain numéro avec d'autres thèmes. Voilà, allez, au revoir.
Merci, grand Moïse. Na makila ya libota ya bakondi Toussaint Abota mi moumwe Koluka senzela ya boso minde ya baindo Bame mali bota na ye mobimba utada ometi na sendomenge Mokaba ye bite mama beba kana kite Yawe Afrika barabake